Salut à tous les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, vos grands-mères les spéculoos, trempées dans le thermos. Les amis, je viens de voir une vidéo dégueulasse, c'est la pire vidéo que j'ai jamais vue, mes yeux ils ont failli sortir de leur orbite tellement c'était dégueulasse. Déjà, Squeezie. Moi j'aime pas Squeezie, voilà, sa tête de pancake elle passe pas. Mais là, il y avait McFly et Carlito. Je les aime bien, les deux. C'est sympa. Et la vidéo, elle s'appelle 1990 versus 2000. Entre parenthèses, clash des générations, si c'était pas clair. Les amis, je crois que c'est une des pires vidéos que j'ai jamais vues. Ma tête, elle a failli exploser. Mon cerveau partir en fumée. C'est parti loin. Je sais même pas par où commencer, c'est dégueulasse, c'est fait par des fils de lâches, des fils de l'antre, des fils de rien, des fils du néant, de mécréants, de je sais pas quoi. Déjà, les coupes sont dégueulasses, c'est super caricatural, ça ne ressemble à rien. Dès le début, ils essayent de rapper, mais c'est nul à chier, putain. Même le dernier album d'MC Solar, il passe mieux. Même Vincent Lagaffe, il a écouté, il a fait, putain, c'est mal écrit. Les amis, les amis, les amis, encore le début, c'est pas le pire. Ça commence pas trop mal. Il y a des bonnes idées, c'est déjà vu, mais pourquoi pas? C'est redondant, mais pourquoi pas? Et après, c'est le refrain, mais le refrain, ça ressemble à rien. On dirait qu'il est coupé, le refrain, il manque quelque chose, ça va pas. Ah les amis, vraiment je suis au bout de ma vie, putain de merde, j'ai failli casser mon téléphone, j'ai failli le fracasser, mais c'est un Nokia 3310, du coup tout va bien. Par contre l'ordi il a pris cher, mais bon, je préfère même pas vous montrer, j'ai pas eu le temps d'en racheter un. Ah les amis, c'est mal filmé en plus, c'est mal branlé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, ça commence à parler un petit peu sur les pubs. Ça chante des slogans de pub. Déjà, je me suis dit, ça sent mauvais, ça sent le placement de produit. Puis ça part en remix sur les produits laitiers. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça ne ressemble à rien. Comment on peut faire ça quand on a autant d'abonnés? C'est irrespectueux, bande de lâches, bande de merde. Les amis, les amis, les amis, vous avez déjà vu de la quiche pareille, de la quiche pareille, elle est avariée cette quiche de vidéo. Oh là 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 là, mes fils de pancake, putain, mes Carlito, Paquito, je sais pas quoi là. Et McFly avec son look de pseudo-racaille, putain, Paquito avec sa tête de dégueulasse. Sa tête écrasée par un camion avec les cheveux de Monsieur Propre, tu ressembles à rien, ta tête de ballon de rugby. Ah, les amis, je sais même pas quoi en dire, tellement c'est vide, c'est la représentation du vide, de la perte de temps, et à la fin, il y a un gamin qui vient leur parler, qui est censé leur clasher, mais même ça, c'est nul à chier, ça rehausse rien du tout. Ah, puis ce placement de produit dégueulasse dans la description, merci aux produits laitiers, même on voit le logo produit laitier à la fin, pour que ce soit bien clair. Mais j'en ai rien à foutre de ce placement de produit de PD. Putain! Les amis, je sais même pas quoi en dire. Le YouTube Game Paravolo, en plus ils étaient chez Arthur hier. Qu'est-ce que c'est que ces fils de déchets? Ces fils de détritus, mettez-les à la benne, c'est terminé. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, mais je m'en bats la race, moi, des produits laitiers, fils de lactose, va. Oh là 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 là, ces fils d'emmental, ces fils de fromage de camembert. Ces fils de Depp. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Putain, ils m'ont mis dans un état émotionnel terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je reçois une notif là, Red Dead Redemption, là, par McFly et Carlito, mais vous avez plus d'idées, les amis, c'est fini. Bon. La prochaine fois. Faites au moins une vidéo plus...